というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうか閻魔大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あーん、なるほど、天国へ行けるもの、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た。ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか。暴れた暴れた、暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしは閻魔大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。おら、急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。Alors, il me laisse passer si je fais un sans faute. Où Raditz a-t-il été envoyé? Bah, en enfer. Logique. Qui est le plus puissant? Roi-Enma ou tout puissant? Bah Roi-Enma, il est au-dessus dans la hiérarchie, il l'a dit lui-même. En fait, faut juste être attentif à ce qu'il a dit, quoi. その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。Quand l'heure a sonné, qui juge-t-on ici? Bah tout le monde. その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。Est-il possible de ramener un défunt à la vie? Oui. Avec les Dragon Ball. 正解じゃ。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく誰が作ったのかの。なあ、地球の神よ。それはその申し訳ございません。まあいいわい、次の問題に行く。
Alors, à quelle question en sommes-nous? J'ai un doute, la quatrième ou la cinquième? Non, je crois que c'est la cinquième. Ah non. Et trois. Ah bah ouais, je me disais aussi. Il m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur. Je me souviens plus s'il y avait eu ce passage là dans... Je me souviens pas dans l'histoire qu'il y ait ce passage, c'est possible, hein, je me souviens plus de tout. Mauvaise foi caractéristique. お前、ギャグのセンスないの。まあ、ええわい。海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー。エマノちゃん。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんの？そんなことねえよ。ねえです。まあ、ええわい。 Voilà, donc on a débloqué deux nouveaux personnages en emblème d'âme. Bon, sinon je vous dis bonjour quand même les gens, hein. Comme vous pouvez le voir, je commence l'épisode dans le vide. Dans le vif du sujet. Donc là on a Petit Cœur qui a récupéré Son Gohan.少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。お父さんが、悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツはなんとか始末をしたが、 1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。 ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。 Alors, donc il faut manger.
donc on va manger. Il a pas l'air de vouloir courir, hein. Apparemment le fait qu'il est fin, il ne court pas. Je veux que tu cours, moi, Sangwan. C'est lent, là. Faut y trouver à bouffer. Oh oh. J'ai cru voir un gros dino. Oh mon casse-croûte. Comment il est arrivé là, mais il est arrivé là. Il pigne beaucoup, Sangwan. Alors l'attaque spéciale Masako. Alors Makanso. Ah Makanko Sapo, je vais réussir à le dire, de Piccolo est désormais disponible. Attaque spéciale déverrouillée dans l'histoire. En progressant dans l'histoire principale, tu obtiendras de nouvelles attaques spéciales que tu aies obtenues via l'histoire ou dans un camp d'entraînement, tu devras les assigner à ta gemme d'attaque spéciale pour les utiliser. D'accord. Donc j'imagine que c'est dans le personnage. On va aller jeter un œil. Arbre de compétences des attaques spéciales. Est-ce que tu l'as bien débloqué? Apparemment, fac de qui défaire l'homme. Masako Kenpo, voilà, le voilà, il est ici. Gemme d'attaque spéciale, ça doit être ça, gamme d'attaque spéciale, voilà. Alors, on va le mettre... Makanko Sampo, hop, c'est bon. On va faire un petit retour en arrière. Alors, on va aller voir aussi les communautés. Les tableaux de communautaires. Donc là, Sangoku est complètement absent. Hein, comme vous pouvez le constater. Les emblèmes d'âme. Voilà, on va jeter un œil. Parce qu'on a des emblèmes d'âme qui n'ont pas été placés apparemment. Si je passe différemment, je parie que tu serais plus fort si tu t'entraînais. D'accord. Bon, bah, je pense que ça marchera pas parce que de toute façon Sangoku n'est plus disponible. Hein. Il a le plus 2 par contre Sangohan apparemment, c'est déjà pas mal. En soi. On va pas s'en plaindre. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça donne un plus 2 à Sangoku, mais pas forcément ce qu'on recherche. Je suis pas convaincu en fait du choix que j'ai fait là dans le tableau de communauté. On va retirer ces deux emblèmes là. On va tester d'autres compos, hein, parce que peut-être qu'on va trouver autre chose. Tableau communautaire, voilà. Alors dans la bouffe, lui il pourra pas m'aider. Alors peut-être ici, ça serait étonnant. Je suis pas encore convaincu de mon choix. Ça a pas marché des masses. Prix de vente plus 5%, pas forcément intéressant pour nous.
Ça nous donne rien en fait. Ah, global 4. D'accord, niveau global 4. Alors attendez, parce que là je viens de me rendre compte de quelque chose. Normalement, si on va dans combat Z, là on peut voir que le niveau global est de 14. Ok, d'accord. Donc on va prendre, admettons, notre copain le suprême. On est à un niveau global de 14. On passe à un niveau de 17. Voilà, donc on peut augmenter de façon exponentielle apparemment. Voir gagner des stats. Et il nous en reste plus qu'un à placer. On voit qu'ils ont un niveau de cuisine. Je crois que c'est un niveau de cuisine ou des repas. Je comprends pas trop ce que ça signifie. Est-ce que ça va le monter pas mal ou pas? 19. Bon, on va rester comme ça, je pense que c'est pas mal. On devrait, ça monte un peu nos stats. Alors, faut aller voir comment se porte Sangohan. Est-ce qu'on a des quêtes à faire sur la mini-carte? On va regarder un peu, on va jeter un œil. Alors, on a de la bouffe à certains endroits qu'on pourra aller récupérer au passage. On a un vendeur ici d'ailleurs. Et on a un camp d'entraînement aussi. Donc on va faire un petit tour au camp d'entraînement dans un premier temps. Il y a un truc qui me tue là. J'ai cru voir un gros minet. Petit finisher. Easy peasy. Bon, ça me cassait les pieds dessus. Ramasser un peu de pommes, hein. De toute façon, Sangohan va avoir faim, ça c'est une certitude. Je connais l'histoire, je sais que Piccolo, dans l'histoire, lui donne des pommes. Les loups de cette zone fournissent des viandes de loup. Ok, d'accord. Oh, il y a des loups, ouais. Quoi? Pourquoi vous voulez se taper les loups, c'est ça? Moi de la viande. Merci pour la viande. Alors on avait vu un entraînement dans le coin, on va aller jeter un oeil. Alors c'est quoi ça? Ici on pilote les voitures. Si tu veux faire la course, procure-toi d'abord une voiture. Ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une voiture. Je vais m'amuser à faire des courses. C'est plus sympa. Faut acheter un œil quand on aura. Quand on trouvera une voiture, bah on sait où aller l'utiliser. Regardez ce qu'il a un peu avant de lui. D'accord. Pour acheter des ingrédients, bon, acheter des ingrédients, concrètement, c'est pas dans notre intérêt, on peut en choper. J'ai pas envie de gaspiller mon argent dans des conneries pour le moment, je sais pas quoi, trop à quoi ça me servir sur le long terme. Je suis plutôt économe moi, hein. Je suis pas du genre à claquer mes compos dès le début comme un ouf. Il y a des herbes dans la zone, d'accord. Et comment on fait pour les arracher ces herbes? Là, il y a un camp d'entraînement, examiner.
pas plus apparemment. Des herbes. Des herbes dans la zone. Ouais, c'est là-bas. Voilà, on va prendre la vision, on va regarder un peu. Alors jaune, je crois que c'est du même niveau que moi. Il me semble. J'aimerais bien le taper lui en fait. J'ai pas envie de me tâter à faire des conneries, je préfère aller suivre l'histoire pour le moment. On va voir de toute façon, on aura bien l'occasion de voir ça dans d'autres épisodes, même prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut aller jeter un œil peut-être sur cette map? Là il y a l'histoire des courses. On va aller voir Sangwan, hein, je pense que... On va le ralentir parce que c'est dans le coin. Les robots, toujours. Il faut péter les monstres, enfin les robots. Mal avec ses roquettes. Voilà, prudent et les éliminer parce que je les finis pas, c'est là le problème aussi. Comment là? Ah merde, il m'a touché. Voilà, finisher. J'ai perdu quand même pas mal de vie sur ce combat, hein. Va falloir faire attention. Est-ce qu'on a des objets qui pourraient nous redonner un peu de vie? Ça me donne directement des petits PV, c'est pas extraordinaire. On va prendre, allez. Veux-tu vraiment manger un repas? On va gagner de la def au corps à corps. Voilà. Je crois qu'il est mangé, hein. Je vais vérifier parce que j'ai pas l'impression que ma vie est augmentée. Bah si, on l'a bouffé pourtant. Ça met peut-être du temps à revenir, hein.
pas si c'est progressif ou pas. Ils sont où les autres là? Ah d'accord, ils sont en hauteur. Ils sont en hauteur. Allez, c'est parti. On a gagné un niveau, ça nous a régénéré en vie, ça c'est plutôt cool, ça régène la vie en fait, d'accord. Très bien. Prendre des niveaux, c'est bien, c'est cool, ça vous remet de la vie. Ramasser des orbes au passage, hein, ça coûte rien, on est à côté. Alors, c'est où? Normalement, il doit y avoir quelque chose près de moi. Sauf que je mets pas la main dessus. Ah, c'est là. C'est là. Venez, bon petit. Vulnérable. Pas absolument esquivé. Un petit finisher. Au revoir. Warrior. Sate, ano nakimushi no kusogaki wa dou natteiru ka? Oitsumerarete, sukoshi wa mashi ni natteiru to ii ga na. お腹すいた。お腹すいたよ。あのクソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力にかけるしかない。一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。
Donc faut que j'aille attraper des pommes. Bon, malgré que j'en ai déjà pris, on me demande quand même d'aller en chercher. Dommage. Préférer éviter cette mission. Mais on n'a pas le choix. Bon, sûrement plus, bah ouais. Alors, la dalle, Sangohan. A pu, apparemment, j'en vois plus. Il a l'air d'en avoir encore, hein, pourtant. Il a l'air d'en avoir encore quelques-unes. J'arrive pas à la mettre la main dessus, mais il doit en avoir une dans le secteur. On cherche un endroit où il y a des arbustes, petits arbres où on pourrait trouver des pommes. Mange les pommes, comme disait l'autre. Il dit bien si c'est par là. Hein. On en a qu'une sur deux. Il faut être dans le secteur. Hein. On va en profiter pour ramasser des globes aussi. Ça, ça coûte rien, peut-être que dans où on les verra un peu plus facilement. Que vous voyez les pommes. J'en vois au fond là-bas, je vais y aller après, je vais ramasser les petits globes qui sont ici, tant qu'à faire. Je suis à côté. Apparemment ça ne suffit pas, il veut pas ce genre de pomme. Robot. On fait défoncer, pas de difficulté, faut le dire. On peut voir si notre personnage a débloqué de nouvelles choses, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà, c'est ici. Barrage de projectiles manuel de qui? Propriété guidée pour faciliter le ciblage. Bah oui, vas-y. On va lui monter ses talents, hein, tant qu'à faire. On n'a pas assez d'orbes Z, donc faut encore que je prenne des orbes Z. Hein. C'est pas mal d'en ramasser apparemment. Des pommes ici, mais je pense pas que c'est celle-ci qui l'intéresse. Je vais essayer. Ah, encore des orbes là.
Médaille D, ok. Je sais pas ce à quoi ça sert, hein, on verra ça plus tard. Ils m'ont déjà expliqué, je crois, mais je me souviens plus. C'est pas ici que je vais trouver mon bonheur. Là non plus. Ah, voilà une pomme qui m'intéresse. Voilà, on a les deux pommes. J'ai bien envie d'aller me taper un dinosaure, juste pour voir les attaques qu'il a. Est-ce qu'il y en a un qui vole pas dans le secteur? Genre de dinosaure qu'on apprécie. La force, je pense que je peux le péter, je pense. Ah, d'accord, faut le tuer comme ça, ok. J'utilise un coup pour le vaincre. Comment tu fais maintenant? D'accord, tu fais comme ça, sérieux? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'utiliser une compétence plus puissante que ça? Et là c'est lourd quand même. On se met en hauteur et on la smate quoi en fait. C'est tout. Bah dis donc. Croc Dino, Dinomel. On a eu plein de trucs. Ah il est juste sonné en fait. Ok. Bien, ils ne tuent pas les animaux, ils les sonnent. Ah. Ennemi. Ah, c'est bien. T'as été bon quand tu fais ça. Je teste un peu en même temps, hein, je me permets. Hein. S'amuser de toute façon.
Oh, il y a... Ah! Je l'avais pas vu venir. Aïe! Relou, hein. Je vous le dis, vraiment relou. Alors, il y a des trucs là. Apparemment, j'ai vu un chemin. Je le vois plus. Il est où? Il y avait un chemin. Mon dieu, il est où? Ah, voilà, juste au-dessus de moi. Il y a un couloir là, je sais pas ce que c'est. J'ai pas testé personnellement. Ah, d'accord. Ça vous permet de prendre tous les bonus dans un coin donné. Ok. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin dans ce secteur là-bas apparemment. On va aller voir. Ah, j'adore quand ça frôle comme ça, c'est énorme. Ah, par là. Ah non, je l'ai pas pris celui-là, c'est bon. C'est cool, hein, franchement. Alors, les personnages, on va regarder un peu où on en est. Pareil, j'ai plein de cadeaux à faire à mes potes. Hein. Faudra que je leur fasse aussi. Ce serait pas une mauvaise idée. Arbre des compétences. Non, gemme d'attaque spéciale. Non. Arbre des compétences d'attaque spéciale. Voilà. Alors, on avait débloqué la frappe éclair du démon. Oh, j'ai pas assez d'orbes. Il me faut des orbes vertes. Ah, je n'en ai pas. Allons farmer des orbes vertes alors. Un peu partout, hein, des orbes vertes, hein, comme vous pouvez le voir, vu que le terrain est très très vert. Il y a des orbes vertes partout. Mesdames et messieurs, que le 24e championnat du monde commence. Hein, oh, tu m'as pris par surprise sur ce coup. J'essaie de me préparer pour le prochain championnat du monde, mais je réfléchissais à modifier ma routine de présentation. Mais bon, tu sais, si mon introduction n'est pas interrompue, je devrais probablement pas essayer d'y remédier. Et tu devrais t'inscrire pour le prochain championnat. Tiens, voilà pour toi, ça devrait t'aider à t'entraîner. Protéines de puissance. Ok, d'accord. Bah, c'est toujours ça de prix, hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est toujours ça de prix. C'est quoi ça? Orbes temporelles. Les orbes temporelles sont des orbes Z spéciales qui peuvent être récupérées pour faire apparaître plusieurs orbes Z à proximité pour une durée limitée. Ces orbes rares apparaîtront aussi, alors assure-toi d'utiliser cette technique comme un tonneau ou une accélération en vol
pour récupérer un maximum le plus vite possible. D'accord, ok. Pas trop compris ce que ça faisait, mais c'est pas grave. On s'en fout. On veut du verre, nous. Est-ce qu'on en a assez maintenant pour faire le up? C'est pas une certitude. Mais on va regarder ça de suite. Et ben non, on en a pas assez, on en a que 214. On va pas faire que ça d'aller en farmer. On va continuer la campagne, tant pis. Putain, il y en a partout. Hein. On va se ramasser et s'abaisser, quoi. Qu'est-ce qui m'attaque? Alors, si je passe au milieu, je ramasse tous apparemment. Ah, encore un ennemi, hein, ça fait de l'XP, c'est pas grave. Aïe. ザコがいるようだな。 S'éloigner parce que me battre contre ces trucs là ça sert à rien, ça me fait perdre du temps.
Ah, encore un combat, c'est pas possible. Il ne cesse de m'ennuyer. Je me rapporte de moins en moins d'XP. On va en venir au fait, je pense, de toute façon on n'a pas obtenu les boules vertes, on verra ça plus tard. On va pas se prendre la tête, je le dis assez depuis tout à l'heure. Non, on a, il nous en manque pas grand chose, hein. C'est dommage quand même. 75, on aurait bien voulu voir. On va débloquer quand même. Être tranquille avec ça. Tant qu'à faire, hein. On va farmer un peu, allez. L'épisode sera un peu plus long, hein. Je m'en excuse d'avance. Mais je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, sur Carni TV, c'est un petit rappel, il n'y aura pas d'épisode. Eh oui, j'ai pris une petite semaine de vacances. Enfin, je ne pars pas de chez moi, hein. Mais j'ai pris une petite semaine de vacances pour la chaîne. Pour refaire du contenu, pour me poser un peu, parce que bon, bah, on peut pas sortir des épisodes non plus tous les jours. Donc il y aura très peu, voire pas du tout d'épisodes la semaine prochaine. Hein. Ne vous étonnez donc pas, encore une attaque. Vous tapez, vous ramassez, vous tapez, vous ramassez. Voilà. Ça ne veut pas être venu ici. À confirmer, je me souviens plus. Eh ben non, c'est très bien. En plus, c'est des verres, c'est impeccable. Oh, il y a des trucs bien en plus. Impeccable. Et puis, on voit quelque chose là-bas encore. Je pense qu'on a assez là cette fois-ci. J'espère, parce qu'il y en a marre de farmer les orbes Z. C'est bien, on en a largement assez. Oui. Donc là, je vais taper plus fort. Apparemment, je peux pas monter mes talents dans autre chose. Non, soit c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti, Sangohan, nous voilà. Pendant que dans l'autre monde, Sangoku arpente le chemin du serpent dans l'espoir de devenir plus fort, Piccolo s'efforce d'endurcir Sangohan et dévier sa puissance latente. D'accord, ok. Donc là, c'est la nuit. Bingo-la. Bingo-la.
なのにこんなに明るいのかな。ça craint. お月さんか。わあ、まん丸だ。僕満月って初めて。Oh là, c'est pas cool. c'est pas cool. Comment tu fais pour battre ça? Tu peux m'expliquer là? Il y a la distance, hein, on peut tenter le diable. Oh non, est-ce que ça fou? Putain, ça fait rien. J'ai l'impression que ça lui fasse beaucoup de dégâts. Ah ah au secours. C'est démentiel quoi lui. C'est un monstre. C'est un putain de monstre. On envoie des cailloux maintenant. J'ai touché avant qu'il me touche, j'ai de la chance. Barre-toi, Kermi, barre-toi. Comment ça se fait qu'on voit plus rien? D'accord, que je remonte en appui un peu parce que là c'est compliqué. On a combien comme ça? Allez, on l'a bientôt eu. Voilà. C'était pas évident. これでは、サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが、我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。ではいいね、出てくれる。 まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。
貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたならこのピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。Tu vas regretter d'être né. Voilà, voilà. Donc c'était un petit épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut les amis!